Derrière l'image de carte postale du Barcarès, c'est tout un système que les enquêteurs s'attachent à mettre à jour. Pour le représentant local de l'association Anticor, il porte la marque d'un seul homme, le maire Alain Ferrand. C'est un système qui perdure depuis des années et des années. Tout est régi par le maire, tout est contrôlé, tout est... Et puis il faut obéir. Il faut obéir. Si vous obéissez pas, si vous obtempérez pas, ben vous en subissez les conséquences. Là, dernièrement, ce sont les campings, mais avant, ça a toujours été les commerçants, mais il y a aussi des pressions sur les employés municipaux, sur tout. Quoi. C'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est le système Ferrand. Plus de 100 000 euros, c'est la somme annuelle ainsi exigée à un propriétaire de camping pour financer les animations qu'ont fait la réputation de la commune, comme l'Electro Beach ou le marché de Noël. Cet homme qui souhaite rester dans l'anonymat fait partie de ces commerçants que défend maître Sylvain Donève. Tous affirment qu'un refus de paiement engendrait des mesures de rétorsion, voire de harcèlement de la mairie. Lorsque vous envoyez des employés municipaux faire des travaux en pleine saison estivale devant un établissement d'hôtellerie de plein air, lorsque vous faites passer la police municipale à diverses reprises devant certains établissements, lorsque vous entravez des travaux qui sont en cours, lorsque vous refusez l'autorisation d'urbanisme, évidemment, il y a entrave à la liberté du commerce. Extorsion en bande organisée et destruction de preuves, c'est la qualification retenue suite à la perquisition des enquêteurs effectuée mardi en mairie et au domicile d'Alain Ferrand. Ces gens-là, ils n'ont pas de calendrier politique, ils font leur job et ils le font bien. Alain Ferrand, qui reste présumé innocent, est en effet toujours candidat déclaré des Républicains aux prochaines départementales.